Okay. On va mettre à 5005. Voilà, je vais descendre de... Je vais descendre un peu la qualité du live. Est-ce que ça va encore dropper ou pas? Apparemment, ça s'est calmé. Alors, ah, ça a l'air d'être bon là. J'ai peut-être poussé un peu trop, hein. Peut-être un peu trop de drop par rapport à la résolution. C'est vrai que j'ai pas pensé le baisser. J'envoyais du 6000 pour du 720p, c'est peut-être un peu de trop, hein. Elle a pas l'air d'aimer, à mon avis. Ça a pas l'air d'apprécier. XSplit a pas l'air d'apprécier que j'envoie autant. Ah, puis la 4G aussi, hein. Avec le. Comment dire, avec le l'orage qui se prépare, là. À mon avis, ça va certainement craquer cette nuit, hein. Ah, bon, il y a grande chance, hein. Kajin Malheur, et oui, non, mais je pense que c'est peut-être un peu moi qui le sollicite un peu, Megan. J'ai l'impression que je le chatouille un tout petit peu, là, XSplit. Je lui ai envoyé du 6000, 6005, 6008 en bitrate et en 720p. J'ai pas l'impression qu'il a l'air d'apprécier. Donc, du coup, il me taquine un peu en faisant du drop. Ah, ça a l'air d'être bon, là, ça a l'air, c'est devenu stable. Bon, ça risque peut-être de pixeliser un tout petit peu. On va voir. Alors, le but de l'histoire, c'est quoi déjà? Je m'en souviens plus. Ah, c'est de récupérer les médaillons. C'était de récupérer les médaillons. Donc il y en a un à récupérer. On va essayer de se repérer par la carte, hein, bien sûr. Hein, comme d'habitude. Ça va mettre du temps. Et Indiana. Ah, Indiana Dirt. Va bien. Ah, qui c'est qui s'appelle comme ça? Je connais Indiana Jones. C'est un aventurier d'ailleurs. Mais tu me gardes Dirt, c'est bien. Ah, tu veux changer Dirt? Tu veux changer ton pseudo? Ah. Rip. Oui, je te garde Meg. Ouais, c'est la collection, c'est la 4G, effectivement. Je reprends vite fait vos messages. SFR a déconseillé. Moi, bon, je pense que c'est tous les opérateurs, Arnaud. Hein. Tu sais, que ce soit SFR, Bouygues ou bien Free, ils sont pas mieux l'un que les autres. Les uns que les autres, hein. Voilà, du moment qu'ils te prennent un abonnement, si t'as beau leur expliquer que t'as des soucis de connexion ADSL, ils s'en foutent complètement. Ils disent qu'ils vont regarder, qu'ils vont améliorer ceci, cela. Vous inquiétez pas, dans 48 heures, tout va aller mieux. Ça sera magique. Eh ben effectivement, ils changent rien, ils font rien, et voilà, si on veut, on peut tout le temps être en train de les relancer, ces fournisseurs d'accès. Moi, je suis chez Free parce que à l'heure actuelle, en débit ADSL, ce sont les meilleurs par chez moi. Et la 4G, c'est pareil. Et, au niveau 4G, au niveau signal 4G, il n'y a que Free qui donne vraiment le meilleur résultat. Donc je suis obligé de rester chez eux, j'ai pas trop le choix de partir ailleurs, quoi. Et puis ça reste France Télécom. Ouais, aussi, il y a France Télécom qui ont le monopole de faire ce qu'ils veulent de leur ligne, même si Free ou Bouygues ou quoi que ce soit réclame derrière. France Télécom, ils sont cool, ils ont le monopole, ils ont leur ligne. Hop, ils vont pas aller s'embêter à aller courir pour des autres fournisseurs. Je pense que ça fonctionne comme ça. Hein. Il y a grande chance. Hein. J'ai un nouveau pseudo. Ah ah. Voilà donc Orange reste. Orange reste le mieux. Bah peut-être que oui, mais c'est les tarifs qui font peur à Go. C'est. Bon après tu me diras, pour avoir de la qualité quelquefois, faut payer peut-être plus cher. C'est sûr et certain. Je ne suis pas dans le bon sens. Faut peut-être payer plus cher. Mais ça veut pas dire, parce que moi franchement, ici Orange, je me suis renseigné. Au niveau, rien qu'à voir au niveau des tarifs, ça pique, hein. Ça pique au portefeuille, hein. Et le débit ADSL, j'ai même pas la télé avec, hein. J'ai pas du tout de télévision avec, alors qu'avec Free j'ai la télé. Alors c'est ça que je comprends pas. Alors que c'est une ligne France Télécom, hein. C'est une ligne France Télécom, je suis sûr que ça appartient à France Télécom. Mais j'ai pas de télévision avec. Et je paye peut-être 10 ou 15 euros de plus par rapport à Free. Voilà. Alors peut-être que Orange aurait peut-être une meilleure qualité de service, mais la DSL c'est une catastrophe quoi. Je perds facilement 2 mégas et j'ai pas de télé du coup avec eux. Ouais, VDSL 2, ça c'est cool, hein. 35 euros. T'imagines, tu payes 35 euros par mois, t'as du 75 mégas. Moi je paye 43 euros, hein. Parce qu'il y a la Bouygues
Facebook, le local, il y a possibilité d'appeler sur les mobiles. Donc il y a ça qui seront rajoutés sur l'abonnement. Bon, il y a la télévision, bien sûr. Hein, et plus, forfait ADSL, je paye 43 euros pour du 6 mégas. En fait, du 6 mégas, quand ils veulent bien donner du 6 mégas. Voilà. Et 22,55 pour ta fibre. Ouais, c'est peut-être parce que c'est la première année, Arnaud. Hein. Parce que 22 euros pour de la fibre, tu payes pas cher. Hein. Bah, tant mieux pour toi, tu me diras. Hein. Tant mieux que tu payes 22 euros. J'aimerais bien avoir un tarif comme ça pour de la fibre. Mais je pense que c'est parce que c'est peut-être ta première année, je sais pas. Et je paye, bah à la limite, ouais, bah Dirt, à la limite, je suis prêt à payer 44 euros si j'ai de la fibre. Voilà, 300 mégas, oh, c'est cool. Ça, du 300 mégas, ça, c'est mon rêve. Hein. Je vais déménager, tiens. Je vais rapprocher de ta région, Dirt, et puis au moins, j'aurai du 300 mégas. On arrête de comparer, croire, qui c'est qui est la plus grosse. Ouais, non, mais... Mégane, du coup, allez, on joue ou on papote. Bon, on va faire les deux, Mégane. Voilà, je suis pas persuadé que je vais vous jouer à fond aujourd'hui. Hein, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est plus du réglage. Étant donné que j'ai fait des nouveaux réglages sur XSplit, etc. Donc, on va essayer de faire les deux, papoter et puis jouer en même temps. On va essayer. Je sais, je suis chiante. Mais non, Mégane, mais non. C'est vrai que j'ai tendance à parler beaucoup en ce moment. Et pas vraiment jouer à fond, hein, au niveau des jeux. Donc je pense que je vais passer par ici. Allez, on se met à jouer un tout petit peu quand même. Et on continuera, bien sûr, à discuter. Hein. Après, y a pas... Viens chez moi. Ah, ça fait de la route, hein. Ça fait loin, hein. Alors, attendez, je vais peut-être pousser un peu le ventilateur, j'arrive. Parce qu'il fait très chaud. Monter le ventilateur à 2 parce que là il est à 1 et ça chauffe. J'arrive. Voilà. C'est bon. Le ventilateur est juste derrière moi en plus. Ouais, je m'en doute bien. Je serai le bienvenu. Je m'en doute d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Alors, on y va, on essaye. Alors, attendez. Oh, j'en suis très loin, là. Pour se repérer ici, c'est pas possible. Ouais, le sens de l'orientation, par contre, change pas pour moi. Hein. Mais j'ai l'impression que le son du jeu est pas très haut. Hein. À moins que c'est moi qui ai baissé le casque. Ouais, ça a pas l'air haut. Bon. On va quand même essayer de trouver un médaillon avant 20h quand même, hein, avant que j'arrête le live. Il est chouette ce jeu, dis donc. Alors, aller vers le Ganesh sculpté dans la montagne. Bah, le jeu lui-même est pas mal, c'est pas un de mes préférés, c'est fort aventure en fait, hein. Tu prends du Tomb Raider, c'est à peu près du copier-coller au niveau Tomb Raider. Hein. Là, c'est avec des jolies demoiselles en plus, avec Chloé et Nadine. Voilà, le jeu lui-même, pour moi, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur des Uncharted. J'ai préféré vraiment les autres Uncharted. Celui-là, je le trouve assez répétitif. Faut aller d'un point à un autre pour pouvoir débloquer l'histoire. Après, peut-être par la suite, il y aura du mouvement. On verra bien. Alors là, on va aller à la statue ici. C'est quoi ici? Voilà. Alors l'indice. Vers le Ganesh sculpté. Oh, je suis embourbé. Ah, ça passe pas. Ah, si. Ah, forcément, si tu roules sur des pierres, ça va pas avancer. Avec la raclette. Vous allez avoir mangé de la raclette au mois de septembre. Hein. Désolé pour ceux qui n'aiment pas. Mais vous risquerez de manger de la raclette tous les jours. Hein. Je vais mettre ça dans mon titre pour le prochain Tomb Raider. je vais tourner quelque chose comme ça avec la raclette. Allez, on passe par ici. Bon, on s'éloigne un peu, hein, mais bon, on va d'abord aller sur l'indice. Hein.
Ouais, mais Megan avec Lara Croft, ça lui préfère dire la raclette. Non, on n'a pas eu le temps, Megan. On n'a pas vu. Effectivement, on a discuté, on a papoté sur Discord. C'est tellement rare. C'était un événement aujourd'hui de discuter avec vous. Je suis jamais dispo d'habitude, mais là, bon, étant donné que c'est les vacances au niveau de la kiné, j'ai profité pour discuter un petit peu avec vous et ça m'a bien fait plaisir. Mais c'est vrai qu'on a. Bon, on fera ça demain. Demain après-midi, c'est bon. À mon avis, on essaiera de. Et merci pour les hosts en plus. J'ai oublié de dire merci, c'est pas bien. Merci pour les hosts. Hein. Donc. On va descendre. Mais on pourra éventuellement voir ça ensemble demain, Megan. Hein. Y a pas de souci. Hein. C'est vrai, tout compte fait, on s'était donné rendez-vous pour les commandes, les modifications pour la chaîne, etc. Et on l'a pas fait. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est que c'était pas urgent. Et on l'entend pas parler. What? Me disiez, il y a un problème de son, on les entend pas en parler. On n'entend pas les paroles. Moi je sais ce que c'est à mon avis. Alors ça c'est un problème avec mon boîtier. Ça doit être un problème avec mon boîtier à mon avis. Alors attendez, je vais essayer de voir pour mettre comme ça peut-être. Il va y avoir un écran noir, ça c'est normal. Parce que là c'est parce que je suis passé en 5.1 en fait. Et là, est-ce que le son va revenir? Ah voilà. Tu vas faire un marathon, Arnaud, en septembre. Bah, c'est cool, ça. C'est cool, c'est cool. Ah, t'as de quoi faire, hein. Si tu veux faire un marathon sur Lara Croft, il y a de quoi te faire plaisir. Hein. Ah, le son est pas fort, par contre. Hein. Le son est pas très fort. Je sais pas pourquoi. Alors, attendez, je vais essayer de regarder pourquoi le son est pas hyper fort dans mon casque. Je vais regarder ça un peu. Voilà. Ah, c'est bien. Il faudrait qu'un de ces quatre, je fasse un marathon aussi. Moi, ça me plairait bien de faire un petit marathon comme ça. Pas de 24 heures parce que physiquement, je tiendrai pas le choc, quoi. Mais un petit marathon comme ça de 12 heures ou un semi-marathon, on va dire. 12 heures de live comme ça, puis faire gagner des. J'avais l'intention d'en faire un à une époque. Mais j'ai jamais fait en fait. Il y a tout le temps quelque chose qui fait que je le fais pas et ça serait assez sympa de le faire. Histoire de faire gagner des clés aussi, des jeux. Essaie de pas tout casser cette fois. Allez, c'est parti. Par contre, il y a un petit souci avec mes bannières. Je vais regarder pourquoi ça fait ça. Là, ça commence à me plaire. Vous voyez, les bannières sont beaucoup trop grandes. Alors attendez, je fais mes réglages en attendant. Hein. J'ai juste besoin d'un moment. Ils sont beaucoup trop larges. Il faut que je diminue ça en fait. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Bah, c'est le fait d'avoir changé de résolution. Toutes les bannières sont beaucoup trop grandes du coup. Alors attendez. Hein. Bon, je vous suis pas pour l'instant. Hein. Désolé, je vous suis pas au niveau du chat. Étant donné que je suis sur eSplit, comment je vais faire pour améliorer Je fais tout en même temps en fait. Je joue, je parle avec vous et je règle mes bannières. C'est cool. Hein. Alors attendez, je vais essayer de voir comment je pourrais faire pour diminuer cette bannière qui est beaucoup trop volumineuse du coup. Comment je vais faire? Parce qu'il me propose pas de résolution en plus, lui. Comment ça se fait ça? Ouais, ça fait gros, hein. Ça fait hyper gros, hein. C'est trop beaucoup trop gros, ça. Oh, ouais, je sais pas comment je vais faire. Du coup, garder la source en mémoire. Ça, c'est le souci, hein. C'est le souci quand tu commences à. Comment dire, à faire des réglages de changement de résolution. Il n'y a plus rien qui correspond après. Est-ce que je suis sur le bon truc? Ah, je vous l'avais dit que ça allait pas être du 100% du jeu vidéo. Hein. Au début, je l'ai dit, il y aura des réglages à faire, je m'en doutais. Non, ça va pas.
Ah, mais comment je vais faire pour 10 000? Ça fait gros quand même, hein. Ça fait. C'est gros, hein. Alors, comment je pourrais faire? Et c'est l'occasion vraiment, vraiment de tester ça. Du coup, du fait que vous êtes là, vous allez pouvoir me dire si c'est bon ou pas. Alors. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la largeur. Non, ça n'a rien à voir en fait. La hauteur. Ah, bon. C'est embêtant, c'est aussi volumineux que ça. Et ça, ce truc-là, je peux le régler qu'en live. Parce que sinon, la bannière n'affiche rien. Et je peux pas faire autrement. Il n'y a qu'en live que je peux le faire. Du coup. Cadrage automatique, peut-être. Ouais, non. Voilà. Il va falloir que j'aille régler ça autrement, en fait. Faut que j'aille voir sur... Bon. Bon, voilà, retirant en entendant. Et je vais voir pour changer la résolution au niveau du logiciel. Parce que là, ça ne passe pas. Alors, on va retirer ça. Il est où d'ailleurs? Il est visible où? Sur XSplit, il est passé où? Ouais, ça va, j'ai plus de drop déjà, c'est déjà pas mal. Je vous reprends après, hein, je vous reprends tous vos messages après. Hein, et puis bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver surtout. Désolé si je vous réponds pas tout de suite. Où il a été mis, lui? Alors. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas ça. Ah bah décidément je le trouve pas. Je sais pas comment je vais faire. Alors, fond d'écran, c'est pas ça. Ah bah, je trouve pas comment l'éliminer. Le retirer cette bannière. Ah, c'est bon, j'ai trouvé, on dirait, non. Pas ça. C'est alert box, c'est pas ça non plus, bah décidément. Je le trouve plus. Ah, c'est peut-être bien ça. C'est pas ça non plus. Alors, attendez, je vais reprendre, je vais vous reprendre tout de suite. Alors. Alors, si quelqu'un me coupe mon son, attention au, à l'ouragan qui va suivre. Le son, pourquoi? Moi, j'ai fait un marathon, mais je tiens... je tiens la buvette à Gadert. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à Megan avec Arnaud? Il y a eu quoi? J'ai pas fait attention, excuse-moi, j'ai pas suivi. Il s'est passé quoi exactement? Demande à quelqu'un qui sait. De quoi quelqu'un qui sait? Ça fait plaisir de attendre Silver. J'ai pas trop compris ce qui se passait entre vous. Pas de prise de tête, hein, s'il vous plaît. Surtout pas de ça. Essayez de... Je sais pas ce qui se passe, mais bon, essayez de vous respecter l'un l'autre malgré tout. Et de toute façon, je vous dis tout de suite, s'il y a des embrouilles, je ne tiens pas avec l'un l'autre. Je donne priorité au modo, de toute façon, je fais confiance au modo. Donc s'il y a le moindre souci, s'il y a le moindre accro, je laisse faire les modos, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Je vais peut-être, vous allez dire, j'ai peut-être pas un raisonnement correct. Bon, je sais pas ce qu'il y a eu en fait. J'ai pas compris. Désolé, je suis en plein dans mes réglages là. Mais pas de prise de tête, s'il vous plaît. Hein. Voilà. On est là pour.
Déjà, on est là pour se respecter avant tout. S'il n'y a pas de respect à ce sujet-là, voilà, donc les modos font ce qu'il faut, tout simplement. Déjà. C'est pas ça. Alors, attendez, c'est pas ça non plus. Bah, décidément, je ne vais pas le trouver, ce truc. Non, ça, c'est la bannière Twitter. Et ça, c'est quoi, ça? Alors, c'est peut-être bien ça. Voilà, je l'ai retiré, j'ai trouvé. Ah ben, il était temps. T'inquiète pas, Silver, pour tes réglages. D'accord. Ah, d'accord, ce sujet de ma voix, parce que je disais que j'étais sérieux quand je... Ah, ça l'avait fait rire. Bah non, de toute façon, si j'ai envie de parler, je parle, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème. T'as vu les jolies filles quand même d'Earth, hein? Ah là là, elles sont jolies, je te l'ai dit, hein. Ça vaut... Ouais, par contre, je pense qu'il y a un souci de décalage. Ouais. Bon, bah XPUT fait encore des siennes. J'ai un décalage de son. Alors, je vais devoir arrêter le live pour reprendre. Ouais, non, non, il n'y a pas de souci. Du moment que vous respectez les règles, après, ça arrive de temps en temps qu'on s'embrouille, ou bien il y a peut-être certains propos qui blessent, ou qui dérange, donc il y a toujours moyen de s'arranger, hein, toujours moyen de s'expliquer, même si c'est en live, hein, il n'y a pas de souci à avoir, hein. Voilà, moi ce qui compte c'est que vous passez un bon moment, de temps en temps c'est bien de remettre les choses en place, et puis voilà quoi. Voilà, c'est vrai qu'il y a des moments, c'est pas, il y a des petits commentaires qui font que ça blesse ou ça donne des petits accros, mais on a jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de soucis, on a toujours trouvé une solution et puis les choses par la suite se calment, voilà. Donc on va pas trop épiloguer à ce sujet-là, hein. On n'est pas là pour se prendre la tête, j'ai déjà dit, c'est, il y a pas de prise de tête à avoir ici. Voilà, tout simplement. Mais je respecte les modos. Et puis, voilà, ils font ce qu'il faut. Et puis, voilà. Voilà, donc c'est à vous également à les respecter. Et puis, puis faire le nécessaire pour calmer les choses. Voilà. Sinon, je me mets en colère. Non, moi, vous avez... D'ailleurs, certainement, vous n'avez jamais vu en colère. Hein, mais de temps en temps, je peux monter un petit peu le ton. Et puis, dire ce qui va pas. Voilà. C'est surtout ça. J'aime beaucoup ce jeu. Ah oui, bah forcément, il y a des belles, il y a des jolies filles d'Earth. Il y a des belles petites filles, des belles filles, donc forcément, ça donne c'est du plaisir à regarder, hein. Bon, bah aujourd'hui, je pense qu'à mon avis, c'est pas fait pour fonctionner. Il y a un décalage. Donc voilà. Donc est-ce que c'est bon ici cette fois-ci pour les réglages de bannière? Est-ce qu'on est bon ou pas? Bannière pub. Bannière pub partenaire. Pourquoi je l'ai effacé, ça? Ça, c'est le chatbox. C'est le souci. Hein, c'est le souci. Quand tu changes les résolutions, il y a des réglages à faire. Mais bon. Allez, c'est parti. On va jouer un tout petit peu. On va pas jouer longtemps. Il reste plus qu'une heure. À peu près une heure et quart. J'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire, du coup, dans cette histoire. J'ai pas pigé. Je pense qu'il va falloir peut-être passer là-haut. Ah, ça a peut-être ouvert cette porte ici. Est-ce que ça a pas ouvert cette porte? Je pense que oui. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc du coup, je me retrouve piégé. La porte s'est refermée derrière moi. C'est cool, je vais pas pouvoir sortir du coup. Alors. Moi si, toi, toi,
toi en colère, j'ai vu et entendu aussi. Tu m'as déjà vu en colère? Oh, c'est possible, Megan. C'est possible que... Ouais, en live, ouais, c'est peut-être possible, mais j'ai plus souvenir. Ah, d'accord, Arnaud. D'accord. J'ai appris quelque chose de grave d'un ami. D'accord, Arnaud. Ouais, après, il y a des jours, on est plus sensible à certains messages. Donc, forcément, on aurait peut-être tendance à s'emporter. Bon, après, si t'as appris une mauvaise nouvelle, donc ça se comprend aussi. Mais non, il n'y a pas... Mais faut pas... Je dirais, à la limite, faut rester cool, quoi. Voilà, malgré la difficulté. Le dernier remplacement connu. Regarde ailleurs. Faut pas regarder les jolies femmes comme ça. Bon, moi, je te cache pas d'ailleurs que je regarde. Hein. moi, je me fais plaisir. Hein. Voilà, c'est que du jeu vidéo, donc le fait de regarder, on fait rien de mal. Quoi? T'as pas l'impression qu'il y a un genre de barrage entre les deux statues de Ganesh? L'eau a dû finir par l'emporter. Je le dis à madame. Ah, ça va. Je suis sûr que madame dira rien. Ouais, la couronne. Ouais, vous voyez, le son est décalé, ça c'est XSplit. Alors, c'est XSplit qui fait ça, ou c'est... Bon, Splitter, bon, c'est pas fait pour marcher aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire... Oh là, le boîtier est chaud, hein. Il est brûlant d'ailleurs. Je vais tout couper, je vais couper mon Splitter HDMI. On va écouter un petit peu ce qui se raconte entre Nadine et Chloé. L'enverra ton père. Bonne idée. Quoi? Avoue que tu connais rien à l'informatique. Prends une photo. Ils se prennent souvent la tête d'ailleurs. Non, c'est juste un peu trop tard pour le faire. Dirt. Oh, c'est la chaleur. Non. Ouais, il y a la chaleur aussi, c'est... Ça arrive de temps en temps que la chaleur, on est un peu plus énervé. Hein. On va visiter Alibidou ? Ouais. Bien. Bon, la grande bataille. Alors, vous allez avoir un écran noir, c'est normal. Je coupe mon boîtier HDMI. Enfin, mon splitter HDMI. Ouais, voilà, c'est ça qu'on dit. Je pense que c'est le nom du boîtier exact. Bon, là, je suis en train de réfléchir si c'est bien ça, oui. Alors, je vais couper parce que ça crée un décalage et c'est pas génial. Voilà. Ça. Dirt. J'ai suré le chat à la fin du live. Dirt, il salive, à mon avis. Il va laisser des traces sur le chat, du coup. Alors, est-ce que c'est bon? On va voir si on peut pas. Ça marche pas, c'est décalé. Bon bah décidément c'est fait aujourd'hui que ça marche pas quoi. C'est pas fait pour fonctionner, le décalage est tout le temps là. Bon, alors je vais faire comment moi? Comment je vais faire du coup? Voilà, je vais appuyer sur le son. Ah les hommes, ah bah oui les hommes c'est ça Megan. Hein. Dès qu'il y a quelque chose de joli, obligatoirement on salive. Voilà, on aurait tendance à saliver hein. Ah, c'est que veux-tu, c'est notre tempérament. Hein. Imagine ce qu'il a fallu pour faire ça. Les artisans, les ingénieurs. Ouais. Ouais, bah là, ça chauffe, hein, Arnaud. Hein. Mon matériel chauffe beaucoup. Hein. Mon boîtier, là, le boîtier, mon splitter HDMI, il est brûlant. Il est hyper chaud. Je suis sûr que je peux faire cuire une omelette dessus. Hein. Bon, bah le décalage de son, je peux rien faire. Hein. À moins d'arrêter le live et reprendre. C'est ce que je vais peut-être faire. Pour... De toute façon, il faut que je teste. Faut que j'arrive à résoudre ce problème de... Depuis le temps que j'ai fait cette mise à jour de pilote, de driver via la carte d'acquisition, je suis embêté en fait. Donc faut que je teste. Faut que j'arrive à trouver pourquoi il y a ce fameux décalage entre deux. Et puis. Alors ce que je vais faire, vous inquiétez pas, je vais reprendre. Je coupe rapidement le live et je reprends tout de suite après. Je vais couper XSplit en fait. Je coupe XSplit, je vais le redémarrer et relancer le live. Désolé, hein, c'est pas parfait aujourd'hui. C'est vraiment un live vraiment de dernière minute
Mais il faut que je règle ces problèmes-là. Essayez de trouver de où ça vient. Allez, à tout de suite. Hein.